conteste sans doute le rôle le plus sombre de toute sa carrière. Selon une information de Closer, dont le dernier numéro est disponible en kiosque ce vendredi 15 octobre, Jean-Paul Roux endossera prochainement le rôle de Gabriel Matzneff dans le film Le Consentement, adaptation signée Vanessa Filio du texte autobiographique éponyme de Vanessa Springora. Publié en janvier 2020, le livre retrace la liaison sous emprise de son autrice, alors âgée de 14 ans, avec l'écrivain français Gabriel Matzneff, 50 ans. Toujours selon Closer, le tournage du film démarrera courant février 2022. Kim Higelin, petite fille de Jacques Higelin révélée en 2020 dans la série Scam France, a été choisie pour prêter ses traits à une jeune Vanessa Springora, justement à l'époque de sa liaison sous contrainte avec l'écrivain pédophile. Selon ses producteurs, le film retracera la triple prédation, sexuelle, littéraire et psychique dont a été victime l'adolescente, et mettra en lumière les dérives d'une époque, le milieu des années 1980, et la complaisance d'un milieu aveuglé par le talent et la célébrité. Jean-Paul Roux, une année de comédie avec Le Consentement. Jean-Paul Roux se replonge dans le registre du drame après une année tournée vers la comédie. En 2021, l'acteur césarisé est notamment apparu dans Les Fantasmes, comédie romantique de David et Stéphane Foenkinos, et a joué les papas sévères dans Le Trésor du Petit Nicolas. Le 8 décembre prochain, il retrouvera par ailleurs le rôle de Jeff Tuche dans le quatrième opus de la franchise à succès Les Tuches, coécrite et réalisée par Olivier Barou. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 15 octobre 2021 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosque Mag.